les amis, j'espère que vous allez bien. On est le 16e jour de mon petit restart, le samedi 27 janvier précisément. On en profite, je commence ma petite journée par la petite popu. Rappel les amis, on va tenter de se faire la calico. La calico qui est en promo cette semaine, mais j'ai toujours pas la réduc, donc on va essayer de la débloquer en augmentant sa popularité via le salon LS Tuner et les contrats de l'atelier auto qui sont doublés cette semaine. Je me fais ma petite rente quotidienne les amis, hein. Alors je vous ai laissé celui-là parce que je le trouve vraiment magnifique au niveau de la vue, avec la petite brume d'arrière-plan. Je trouve ça vraiment super beau. Alors bon, vous allez me dire, on s'en branle, mais voilà, je vous ai laissé mon petit kiff du matin. Quand j'ai vu ça, je dis waouh, magnifique. J'ai laissé donc ce petit spectacle visuel du petit chrono junk. Donc moi, je vous le conseille encore à nouveau de le faire. Hein. Si vous faites le petit chrono junk par jour, le coffre de l'épave, la photo des animaux, vous faites 175 000 boules comme ça, gratos, rapidement. Allez, en 10 minutes quoi, maximum. 10 minutes, vous faites ça. Ça vous paye les frais de vos business, les frais de vos munitions chaque jour, les petites custom de véhicules ou les ajustements que vous pouvez effectuer. Enfin, moi je vous le conseille vraiment. Ouais, bon, ça prend pas beaucoup de temps. Si vous pouvez pas trop farmer, voilà, vous mettez 10 minutes, un quart d'heure, vous allumez votre jeu, bam, vous faites ça. En session à vide si c'est jamais vous êtes embêté par les cancers. Et voilà. On trouve la petite troupe là avec le Bicross. Alors celui-là par contre, si vous commencez un restart avec zéro endurance quasiment, il faut faire extrêmement attention parce que vous pouvez le louper, il n'y a pas beaucoup de temps. Autant il y a des chronos, c'est facile, sans appuyer à fond. Là, faut vraiment être très concentré. Et puis bah regardez. Pour la petite déconnade, je vais encore me faire péter ma petite balle de bowling là, mon petit ballon de bowling. Voilà, pour le petit délire perso. Voilà les amis. Oh, voilà, je la vois plus. Là, à mon avis, si elle tombe sur un PNJ, ça serait vraiment un gros coup de chat. Vous voyez, regardez-moi ce que je vais faire les potes. Je vais tenter de récupérer un petit peu de mes précédents fights. Chat, cochon, poule. Ouais, ça va être vite réglé ça. Un cochon, il y en a juste un en bas au niveau de la planque. Là, il y a une petite planque juste à gauche avec une petite ferme, là, des pecnos là. Quand je dis pecnos, attention, hein, c'est pas pour me moquer, hein, c'est dans le jeu. Hein. C'est dans le jeu, bien sûr. J'espère que vous m'avez compris. Oh, il y en a un, il a un tag Akula Bianyu. Qu'est-ce que c'est que ce tag? Déjà rien qu'au niveau du tag, tu sais très bien que celui-là c'est un emmerdeur, ça, mais c'est quasiment certain, et en plus il est dans son complexe. Qu'est-ce qu'il y en a? Pourquoi ça a pas spawné là? Ah merde. Ah, quand ça spawn pas les potes, faites comme moi. En plus il y avait une attaque de gang en plus au même moment. Faites comme moi, vous allez un peu plus loin, vous revenez, vous allez voir normalement. Vous allez voir, sauf si je me loupe complètement. Voilà. Les petits cochons, ils sont de retour. Montre-moi tes fesses. Merci Mickey, merci de ta coopération. Voilà, 20 000 boules. On a dépassé les 2 millions. Hein. Ouais. Donc oui, je vous disais, là, le Akula Bianyu, là, ça campe en plus dans le complexe. Ça campe. Je sais pas ce qu'ils font de leur journée, ces joueurs. Je sais pas leur but, en fait. Enfin bref. Attention la vache. Là, est-ce qu'il y a des poupoules? Oui, parfait. Yes. Putain, on aurait dit un chien plutôt. Pour la peine, je change ma tenue. Ouais, ça saute ça. Wow! What again? Yes. Ça passe. Mais oui, mais oui, mon petit. Normalement, il y a des minous qui sont au niveau de l'hôtel désaffecté. Ouais, c'en est un, ça, là-bas. Oui. Ah non, c'est un coyote, pardon. Le voilà, le minou. Minou. Merci, amigo, pour ta coopération concernant mon compte en banque. Par contre, je peux pas te verser un peu de monnaie, hein.
Voilà, lol. Bref, lol. Alors, je vais un peu zioter mes business pour voir ce qui se passe. Alors, faut papier stock à fond. Ça serait bien que ça me ravitaille mon cannabis pour que ça se puisse se remettre en route. Oh putain, l'autre il était dans un état, je l'ai explosé. Dégage le Lost. Bon, je vous aurais coupé un petit peu tout ça hein, parce que le temps que j'aille en ville, voilà. Puis la planque, je la mets plus trop. Comme je vous l'avais dit. Oh putain, il y a un bon groupe là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font la course ou quoi? Ah ouais, ça fait la course. Énorme. Ah, ça me plaît, ça, vous voyez. Ah, ils étaient au moins 6. Yes, bien joué les gars. Ça c'est cool, ça c'est du GTA. Allez, il y a un 7ème qui joint. Allez, 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 allez. Oh non, faux papier les potes. Bon, moi j'ai le stock de matières premières rempli et le stock de mon business qui est rempli aussi. Donc sûr, on va le laisser de côté et puis bah, demain on fera le cannabis. Oh putain les potes, alerte, alerte, alerte. Akula Bianyu en invisible, je vous l'avais dit, c'est un emmerdeur celui-là, c'est un emmerdeur, c'est un emmerdeur. C'est un emmerdeur. Oh là là, il est en train de détruire tous ceux qui sont en train de se balader en voiture. Mais quel enculé. Mais quel enculé. Oh là là. Les autres, les joueurs, ils se font un triple. Là, ils sont 6 ou 7 en caisse. L'autre, il arrive, il se met en invisible, il est détruit. Mais franchement. Non, mauvais joueur. Il est en quoi là? Il est en hélicoptère, j'imagine. Ça sent le savage. Pour qu'il puisse détruire les joueurs aussi rapidement. Ça sent le savage, les potes. Un savage ou pas? Mais bien sûr que c'était un savage, fils de chien, va. Tête de mort, va. Tête de mort, mort, mort. Akula Bianyu. Ouais, tête de bite, va. Pauvre type, va, certainement, ça. Je crois que c'est un Allemand, les potes, hein. Comme par hasard. Vous allez me dire, mais pourquoi t'as quelque chose contre les Allemands? Non, je n'ai rien contre aucune nationalité, d'ailleurs, hein. Aucune personne qui vit dans un pays différent de la France. Je me base sur mon expérience personnelle à ce jeu, les Allemands, ils sont très 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 toxiques. Organisation fantôme. Et cet abruti, il est même pas capable de changer le nom de son organisation là. Mets-toi un nom, tête de bite, va. Joue le jeu à fond. Akula Bianyu, t'aurais dû mettre I'm a Griefer. Il va changer son savage, ce bâtard. Il va le changer. Est-ce que je peux me le faire? Franchement, casser le trip des 6 ou 7 joueurs là qui étaient en train de se faire une petite course sympathique, franchement, c'est minable. Mais bon, c'est le game, hein. C'est le game, il a le droit de toute façon, quoi qu'il arrive. Oh putain, puis mon spam là. Faut que je change mon inventaire, ça me saoule là. Ah, ils reviennent, les potes, ils me klaxonnent. Par contre, l'autre il s'est mis en orga fantôme, il va nous défoncer. Hein. Regardez, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Ah putain, merde. Oh, il est en train de tuer tout le monde. Quel chien. Quel chien. Oh, il a pris un tank maintenant, les potes. Il a pris un tank. Il a lancé une liquidation d'actifs aussi. Il a pris un tank, vous allez voir, je crois que c'est un tank. Ouais, ouais, c'est un tank, ça, c'est le Kanjali. Bah, bien sûr, mais bien sûr. Oh là 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 là. Mon dieu. En même temps, ils donnent du contenu ces Gugus là, hein. On se plaint sur le moment, mais bon, on les aurait pas. Ah, ça y est, il est mort. Il s'est fait des boîtes. On se plaint, mais on les aurait pas. On s'ennuierait aussi, hein. Mais bon, il est pas obligé de farcer comme ça. Voilà, c'est surtout ça en fait qui est dérangeant. Qui est de la fight, des méthodes un petit peu cancer, bon, pas de soucis, mais c'est quand tu forces en fait sur les joueurs que c'est pénible. C'est ça qui est le plus embêtant. Faut savoir s'arrêter, c'est comme tout dans la vie. Quand tu manges, quand tu ouvres ta poche de bonbons, faut pas la finir, quoi. Hein? Ça c'est pareil, tu peux pas t'en empêcher. Bah lui, regardez, c'est pareil, il peut pas s'en empêcher, il continue. Hein? Lol. Pas de comparaison. Je vais essayer de me le... Ah non, non, c'est pas lui, merde. Putain, boulette, 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 fais pas le con. Ils ont compris que j'étais pas contre eux de toute façon. Il y en a, il s'appelle X-Note Tryhard là. Ah, il est loin là, je pourrais pas le voir. Très très loin, ils sont en train de se mettre sur lui. Hein. Il va se téléporter à mon avis ça.
il va aller se téléporter après, c'est quasiment certain. Me détruis pas toi avec ton Akula aussi. Je pense qu'ils ont capté que j'allais rien leur faire. Allez, allez, allez. Je perds du temps les potes à faire ça. Oh, je l'ai touché. Mais non, c'est pas le bon que j'ai tué, merde. Oh, j'ai tué notre tryhard. Attendez, faut que je lui dise désolé mon gars, c'est pas toi. C'était pas contre toi. Oh, la boulette. La boulette les potes, je vais me le mettre à dos. Oh, le boulet que je suis, mec, je détruis le mauvais bonhomme quoi. Je vais envoyer sorry. Sorry, don't want to kill you. Wrong target. Pour ceux qui comprennent pas, ça veut dire excuse-moi, je me suis trompé de cible. Mauvais, je me suis trompé, je voulais pas te tuer, mauvaise cible. Lui, on va se le faire. Hein. Je vais essayer de me le faire là, lui, Akula Bianyu là. Organisation activité. Oh là là, le cancer ultime. Oh, le mec. Je suis sûr qu'il va se téléporter après. Là il peut plus parce qu'il a lancé l'activité j'imagine. Et que ça doit pas spawner dans son téléphone le fait de pouvoir se téléporter. J'imagine que c'est ça. Des fois ça bug aussi hein. Alors où c'est qu'il est les potes là? Où c'est qu'il est? Putain, moi faut que je m'approche vachement de l'écran. C'est lui là. C'est lui ça. C'est lui hein. Regardez là, ça doit être lui ça. Non c'est peut-être pas lui ça, pardon, non j'ai une bêtise. Ah il doit être en... Ah, il doit être en RC Bandito ou RC Tank. Ouais, ils vont se le faire. Attendez, on va essayer de voir où il va spawner. Quand il va se faire détruire son machin. Ah, ah, ah. C'est pas lui, ça, là-bas, là? Non, c'est pas lui. Non, non, c'est pas lui. Où c'est qu'il est, ce con? Ah, il est là-bas, au fond, je crois. Non, c'est pas lui. Non, il est là, il est là. Il est là. Je pense que c'est lui, là. C'est lui? Tribute Bianyu Akula de mes fesses. Oh ce kill. Oh la longue. Oh là là. J'étais hyper loin quoi. Putain j'ai dû m'approcher à fond de mon écran. Vous auriez dû voir ça. Le sketch était mythique là. Akula Bianyu. Bon les potes je sais pas où il est. Il doit être planqué quelque part avec son RC Bandito ou RC Tank, j'en sais rien. Il est pas dans son complexe. Je sais pas combien de temps ça dure le truc organisation loin des yeux là. S'il y en a un qui peut me répondre, parce que j'ai jamais utilisé moi donc. S'il y en a un dans le commentaire qui peut répondre, les potes, n'hésitez pas. Moi je sais pas combien de temps ça dure, si c'est sur une zone. Je sais pas comment ça fonctionne ce truc. Je fais attention quand même qu'il spawn pas avec un hélicoptère comme ça qui arrive de nulle part. Je vois rien, j'entends rien. Où c'est qu'il est cet abouti là? Sa mission va bientôt se terminer en plus là. Est-ce qu'il attend? J'espère que je vais récupérer des sous de la... des armes que j'ai dépensées du coup. Pour remettre dans mon inventaire, ça serait pas mal. J'entends rien. Rien du tout hein. Bon, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas à quoi il joue en fait. Quel est l'intérêt là? Oh oh oh, oh c'est qui ça là? Mais c'est lui ça. Mais il était dans un glitch en fait, il devait être bloqué. Il devait être en train de tenter un truc, il était bloqué. Regardez, c'est lui ça. C'est lui ça non? Il est dans un glitch là. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, touché? Ah, il se suicide! Ah, c'était lui, les potes! Mais quelle bite! Mais quelle bite! Oh, on va le laisser se teubé, il est en train de me gaver. Allez, vas-y. Vas-y, toi. Putain, j'imagine de bien voir ta gueule derrière le PC, ou ton écran, pardon. J'aimerais bien voir la tête de. La tête de schnock que t'as, quoi. Regardez, cours, c'est lui ça? Non, c'est pas lui. Ah, il était planté dans un glitch. Il est où ce con? Alan Beach, ouais, magnifique le tag, hein, on est tous contents. Ah, 6,50 de ratio il avait les gars. Bon allez les potes, c'est bien beau tout ça là de s'amuser un petit peu. Bon on se détend, hein, ça va, c'est pas non plus...
Il a pris un bon petit kill de loin. Ce qu'on va faire les potes, nous on va lancer le vol de l'UCE. C'est parti, on va faire l'inventaire du train déjà. Je vous laisse la petite explication de ces Santa. Right down to which crate it's in. The way I see it, our only shot is to get down to the dock, find the shipping manifest for delivery. Should be a serial number right there. So, head down, find the right ship, see what you can dig up. Here's the location. Hey, you walk onto that ship. Okay, thank you. Thank you, Madame Cessanta. Donc oui, vous allez voir, moi je prends la tenue. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Je crois pas. On va le faire, donc on va y aller en mode tranquille, sans se faire griller, ça serait bien. La tenue de Docker, on va rendre hommage au cousin de Wade, Floyd, pour le GTA V, pour ceux qui connaissent. J'avais vraiment kiffé, je l'avais refait il y a pas longtemps, il y a quelques mois de ça. Un petit restart de GTA V, j'avais kiffé le faire, franchement. C'était à l'époque où j'étais encore sur PC, et à un moment donné, pour ceux qui étaient au courant, on avait eu sur PC une grosse faille de sécurité. Ce qui fait que pendant 15 jours, 3 semaines, on n'avait pas pu jouer. Du coup, je m'étais remis à faire le GTA V, et puis bah, j'avais pris mon pied. J'avais pris mon pied. Voilà. Donc là, vous avez normalement le manifeste, il est soit ici, soit un peu plus haut, sur la gauche. Voilà, il est soit à cet étage-là, soit sur l'étage supérieur. Vous le prenez en photo, voilà, c'est pas très compliqué. Voilà, si vous faites pas griller, ça va, c'est une mission assez rapide. Voilà. Qu'est-ce qu'elle parle? Quand je mets un contrat ou quelque chose où c'est la première fois sur la chaîne, j'essaie de vous le laisser en entier quasiment les potes, c'est surtout pour ceux qui le découvrent, parce que encore une fois j'ai des messages où les gens bah, ils me disent merci parce que ils découvrent quelque chose. Donc je sais que la plupart ils le connaissent, ils connaissent les textes, ils connaissent les cinématiques, je sais bien les amis. Mais quand je le mets la première fois, voilà, j'essaie de le laisser un maximum. Il en faut pour tous. Il en faut pour tous, voilà. Je sais pas si je vais le lancer aujourd'hui le vol de l'UCE, je verrai peut-être plus demain. J'ai un peu la flemme là, à vrai dire. Je vais voir ça tout à l'heure. Déjà on va faire les missions de prépa. Voilà, est-ce qu'on peut prendre la petite camionnette là? Est-ce qu'on peut la prendre? Ah bah merde, non on peut pas la prendre. Non, le boulet. Le mec qui découvre le jeu. Oh le boulet que je suis des fois, je te jure. Mais putain, je me fatigue. Mais je me fatigue des potes, mais vous pouvez pas imaginer. Ah là, 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 là. Alors, on ramène ça avec la petite ici. Parce que j'ai demandé à spawner ma Sanchez, mais elle a spawné de l'autre côté, quoi. Non, mais franchement, c'est mal foutu. Allez, level 27. On se rapproche du level 30. J'espère que le prochain level 30, ça sera la réduc de la Calico. Ça serait super, 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 super. Alors voilà, manifeste émeuleuse livrée, les amis. Je vais me faire une petite pause, peut-être, là. Regardez, je vais me faire un petit Rockstar Editor. Donc, il restera l'inventaire. C'est pour les horaires, ok. Je vais peut-être me mettre... Qu'est-ce qu'il veut lui encore? Oh, c'est pas à elle, c'est lui. Voilà, on va s'asseoir au bout là. Le patriarche est au bout de table, les potes. Regardez-moi ça. Une belle photo avec un crew ou une team là qui s'assoit aussi également là. Les mafiosos de Los Santos. Voilà, on met les gants, on rend hommage à petit Floyd. Paix à son âme, hein.
Il était très gentil, mais Trevor a vraiment abusé de lui. Mythique ce jeu. GTA 5. Mythique, 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 les amis. Qu'est-ce que je fais, les potes? Je vais quand même me lancer, je pense, un... Allez, faut que je le finisse, les prépas. Je suis tranquille, comme ça, c'est fait. Bon, non, non, j'ai la flemme, les potes. J'ai la flemme. Je vais aller au casino. Ouh, il y a un alien, là. Il y a un alien. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh, il a sorti ses armes. Oh, pop, 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 pop. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Mais t'es un fou. Oh, tire pas, hein. Casse-toi. Putain, il allait tirer, ce bâtard. Comment tu t'appelles, toi? Mozzarella, là. J'aime pas le fromage, en plus. Oh, Mozzarella, tiens. Va changer ta tenue, t'as pas honte? Tiens. Ça me fait penser à une vidéo de Luigi, ça, les potes. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne, le soutenir, les amis. Notre cher Luigi, il en a besoin. Il en a besoin, les amis. Il avait fait une vidéo quand il imitait Jacques Villeray, il m'avait tordu de rire. Il était tombé comme ça contre la soupe au chou, contre un mec en alien là. Ils me font toujours marrer parce que généralement ils sont éclatés, ces joueurs. Ils sont éclatés généralement, les joueurs qui s'habillent avec cette tenue. Généralement, je dis bien. Ils sont toujours bien dans un skin totalement noobiesque. Noobiesque. Bon, les potes, est-ce que je vais gagner autre chose que des vêtements ou des RP? Allez, 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 allez. Merde, tiens, putain. C'est sorcellerie! Plus interrand bateau, ok. C'est satanique! C'est ta faute, hein, sorcière! Donne-moi mes jetons. Allez, j'ai gagné 47 000 jetons depuis que j'ai commencé la roue il y a 16 ou 17 jours. Voilà. Voyez, ouais, pour vous dire, les potes, à peu près quand même, le truc. Ouh, Hibou a détruit des marchandises. Il a un tag de français en plus. Le petit bâtard. On va aller l'aider, le mec là qui vend là. Hibou 744. T'es où? Bidou, pardon, pas Hibou. Mais vous voyez, je suis tellement loin du PC des fois que je vois pas bien les tags. Bidou. C'est un tag de froid. Ah, une MK2, bien sûr, ça aurait été étonnant. Bien sûr, on va l'aider. On va l'aider. En tant que bon samaritain du GTA Online ce jour, je vais aider notre cher farmer. Parce que si c'était moi, j'aimerais bien qu'on vienne me donner un coup de main. Nous, ce fils de chien, regardez, il l'attend sur le toit en plus là. Il attend qu'il bouge. Tiens, est-ce que ça me... Ouh, devait pas être très loin celle-là. Devait pas être très loin, les amis. Allez, allez, allez. Putain, pourquoi j'ai un point rouge là qui vient de... Mais c'est une blague. Putain, mais je suis occupé à autre chose là. J'ai un PNJ qui est en colère. Mais c'est pas vrai, les potes. Mais c'est pas possible. Casse-toi, toi. Ah, il est en train d'essayer de se le faire. Ouais, ouais, il l'attend. Attends, j'essaie de venir te sou... Me tire pas dessus, hein. Moi, je suis là pour t'aider, hein. Coucou. Ah, non. Loupé. Oh, putain, il est proche de lui, là. Je crois qu'en plus, il peut le loquer, hein. Il me semble qu'on peut loquer les marchandises de motards. Allez, un peu de courage, mec, un peu de courage, là. Et un peu de courage, vas-y. Il a compris que j'étais là pour me le faire. Oh là là, il le fight. Oh, il l'a détruit, le bâtard. Le bâtard, le bâtard. Je l'ai eu. Oh mais merde, j'ai détruit les marchandises. Oh non. Putain. Je l'ai eu, mais j'ai détruit les marchandises du mec. Oh la boulette. Oh, faut que je lui dise désolé. Oh la boulette. Oh putain, je suis dégoûté pour lui, merde. Oh désolé gars. Je vais lui mettre désolé, sorry. Oh, je suis désolé, mec. Vraiment dégoûté pour toi là. J'espère que c'était qu'une matière première.
Mais non, c'était pas une matière première, c'est une marchandise. Elle est en bas, là, d'ailleurs, l'autre, d'ailleurs. Ah non, 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 c'était peut-être qu'une marchandise. Parce que c'est pas le même, en fait, qui va en bas. C'est un hélico en bas. Et mais nos problèmes. Ah, c'est un... Désolé, gars, franchement. Désolé. Mais non, il a vendu, c'était marqué, je suis bête. Il a vendu sa fausse monnaie, c'était de la fausse monnaie. Oh, bah j'espère que c'est sa dernière moto, au moins.